C'est parti. Évidemment, le bolide de ce matin, Clément Madiot, là, qui fait la différence, le Castelbriantais, qui va se qualifier sans problème pour les demi-finales. Et voilà. C'est parti. Évidemment, le bolide de ce matin, Clément Madiot, là, qui fait la différence, le Castelbriantais, qui va se qualifier sans problème pour les demi-finales. Et voilà. Donc, c'est bien Florian Wilfeu qui fait deuxième de la deuxième série. Et qui ira donc en repêchage. Alors, voilà, le repêchage cadet. Paillusson, Wilfeu, Corbin. Paillusson. Allez. Voilà, on attend un tout petit peu parce qu'il y a une petite vérification nécessaire et obligatoire sur l'arrivée de la deuxième manche. Ou alors on les laisse tourner quelques instants en attendant? Non? Comme vous voulez. Alors c'est l'affaire de 2-3 minutes tout au plus. Hein, mais il convient de vérifier là, entre les deux groupes d'arbitres. Ah, attention, on est dans le 8e, dans le 9e tour, pardon. On est dans le 9e tour. Première explication. Voilà, ça y est, on commence à accélérer là aux 350 mètres. Voilà. Premier classement au prochain tour. Accélération de Corentin Grenier, Belaroche. Et de Castelbriantais avec Clément Madiot notamment. Dans la roue. Presque dans la roue. C'est Clément Madiot qui vient à la relance. Le champion de vitesse. Il est passé, oui, 10, 29, 15, 25. Donc, le premier, Clément Madiot, du CC Castelbriantais, qui marque évidemment 5 points. Le deuxième, Corentin Grelier. Voilà, nouvelle accélération, là, c'est pour notre camarade de CC Pontvalin, là, qui accélère. On est à 3 tours du deuxième sprint intermédiaire, avec Marvin François. Une belle accélération, mais... évidemment, c'est l'accordéon. Accordéon. Voilà, nouveau petit répit, alors que nous allons nous retrouver à 2 tours du deuxième sprint intermédiaire. 2 tours. 2 tours, messieurs. 2 tours. Et bon, Bizarre est toujours dans ce peloton, autant que je sache. Voilà, Victor Braun, le secrétaire de Mansart-Pelenot, qui est parti pour aller chercher les points, essayer de rentrer sa proie. Nicolas Gontier, le garçon qui se connaît bien, Clément Madiot. Tu t'arrêtes, Mélanie. Allez. Voilà, attention pour les points, là. Pour ce 20e passage, Victor Braun qui résiste, oui, 24, 13, 10, 29. 24, donc Victor Braun, notre... Allez, Kevin, allez. Allez, Clément, dans la roue, allez. Voilà, 25,
25 et 29 qui se sont détachés. Oui, oui, j'ai les signalés. Clément Madiot à 7 points, voilà, c'est ça. On est d'accord. Voilà. Ici, a été décroché Marine François de CC Pontvalin. La tête est là. 25-29, on est d'accord. Guenry Perret en troisième position ici, Noé Desprez. Et c'est Clément Madiot qui est en tête provisoirement pour l'instant avec ses 7 points qui est pour l'instant dans ce peloton. Les trois concurrents là qui. Voilà, le trio de tête est là. On est à 5 tours de l'arrivée seulement. Trio de tête. Un joli trio de tête. 25-17-29. Guenry, Despréaux et Perret qui ont pris allez, 80 mètres au peloton. On va être à 4 tours de l'arrivée. Au kilomètre. Voilà ce trio qui va rejoindre à l'instant Marvin François de l'UCC Pontvalin et qui est derrière c'est, de ce 30e passage à l'arrivée. 25-17-29, pour l'instant, c'est, si ça va au bout comme ça, petite surprise quand même. Hein. Mais jolie course de ce trio dominant qui va se présenter à la cloche maintenant et qui va aller disputer les points au 30e. Voilà, quelle belle opération par ce trio. Le 17, Noé Desprez avec le 25, Pierre-Adrien Guenry et le 29, Kevin Perret. Alors attention, là derrière, sans problème.